Bienvenue dans notre voyage dans le temps à travers les nouveautés du compte Nickel en 2023. Accroche-toi bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas être surpris, j'en suis sûre. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatoirbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques mais aussi des fintechs. Aujourd'hui, on va parler exclusivement du compte Nickel. Et tu vas voir, normalement, à la fin de cette vidéo, cette solution n'aura plus aucun secret pour toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager et de consulter notre descriptif qui t'apportera encore un petit peu plus d'informations et surtout le lien via lequel tu pourras toi aussi, justement, si tu souhaites ouvrir un compte Nickel. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas cette solution, je vais faire une très brève synthèse en quelques chiffres de ce qu'est le compte Nickel. C'est un compte pour tous, un compte ouvert à tous, sans condition de revenu, qui accepte n'importe quelle nationalité. Pour être plus précise, il accepte plus de 190 passeports. Que tu sois interdit bancaire, étranger, au RSA, au chômage, qu'importe, tout le monde est accepté. Il y a d'ailleurs aujourd'hui 3 millions d'utilisateurs de cette solution qui est accessible dès 20 euros par an seulement. Elle est disponible aujourd'hui dans 5 pays et se vend en France et dans les DOM-TOM également dans plus de 7000 points de vente. Quand on parle de points de vente Nickel, on parle de buralistes agréés, donc en France et dans les DOM-TOM. Maintenant, accroche-toi bien car nous allons voir les dernières nouveautés de cette solution qui n'arrête pas justement d'évoluer et de répondre aux besoins de ses clients. Donc tout d'abord, une grosse attente a enfin été comblée avec l'ajout de Apple Pay. Simple à configurer, le paiement sera plus facile, plus rapide et plus pratique. Donc inutile maintenant de passer des heures à chercher sa carte au fond de son sac, mais aussi c'est terminé le coup de « Ah tiens, j'ai oublié ma carte ». Maintenant, on prend son téléphone et en un simple clic, on peut faire tous ses paiements. Un soulagement pour beaucoup d'entre nous, je suppose. Deuxième grosse nouveauté, je te présente Nikki. Nikki qui est le chatbot de Nickel et qui va changer la vie de ses clients et futurs clients. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, elle ne miaule pas, c'est un chatbot, elle répondra à tes questions en lien avec Nickel. Donc ça y est, enfin un ami, enfin quelqu'un à qui on peut poser ses questions à tout moment et qui ne sera pas de mauvais poil, quelle que soit l'heure. Troisième grosse nouveauté sur 2023, Nickel est arrivé en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Déjà c'est le pays le plus peuplé en Europe. Ensuite aussi, savais-tu qu'ils ont perdu 40% de leurs agences bancaires depuis 2007? Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment la place pour Nickel. D'autant plus qu'ils arrivent dans ce pays avec un maximum de points de vente puisqu'ils sont diffusés auprès de 22 000 distributeurs. Si jamais tu te demandes pourquoi il y a le logo de BNP Paribas sur cette image, sache que même si Nickel n'est pas une banque, elle appartient au groupe BNP Paribas. Quatrième grosse nouveauté, Nickel a décidé un petit peu de changer de couleur et de faire plaisir à tout le monde. Qui a dit qu'on ne pouvait pas assortir sa carte bancaire à son canapé par exemple? En effet, aujourd'hui avec les cartes My Nickel, il y a plus de 15 coloris qui sont accessibles. Tu vas certainement trouver ton bonheur. Tiens, dis-moi laquelle tu préfères toi d'ailleurs. Pour ma part, j'aime beaucoup la saumon ou la turquoise. La dernière info que je voulais te donner, c'est tous ces moments forts que Nickel met en avant avec ses programmes de parrainage qui sont chez eux limités dans le temps. Il y en a eu plusieurs au fil de l'année et j'espère que tu en as profité toi aussi. Pendant ces temps forts, donc ce sont des périodes limitées dans le temps, tu peux parrainer jusqu'à, 50 personnes et gagner au total jusqu'à 250 euros. Donc c'est un petit moyen pour non seulement, comme je te disais tout à l'heure, réduire tes frais bancaires puisque cette carte ne coûte vraiment pas cher, mais en plus te faire un petit peu d'argent juste en indiquant à tes amis que cette solution est sympa, amis, famille, qui tu veux. Et pour savoir quand est-ce qu'ont lieu ces moments forts, soit tu peux t'abonner à notre chaîne, soit tu peux justement consulter notre site, soit tout simplement, si tu es client, tu consultes ton espace client. Voilà pour ce qui est des dernières nouveautés pétillantes de Nickel en 2023 et je suis persuadée que sur 2024, il y aura d'excellentes nouvelles.
Qu'attendrais-tu toi d'ailleurs de cette solution? Dis-le-moi dans le descriptif sous la vidéo. Maintenant, si jamais tu te poses des questions plus précises à propos de Nickel, n'hésite pas à consulter notre site. Dessus, nous avons une enquête complète et impartiale. On va t'expliquer par exemple comment recharger le compte, comment trouver le RIB, comment faire un paiement plusieurs fois sans frais, comment annuler un virement, quels sont les différents moyens justement pour alimenter ce compte, si tu peux encaisser des chèques, comment encaisser l'argent liquide, car un des gros atouts justement de cette solution sans banque, c'est pourtant de pouvoir encaisser et déposer de l'argent liquide sur son compte. Bref, on t'explique tout ça. On te permet aussi de comparer Nickel à ses concurrents, que ce soit des concurrents directs comme d'autres solutions de paiement comme MyFrenchBank, comme N26, comme Bunk ou alors des banques en ligne comme Revolut, comme BoursoBank, Fortuneo, HelloBank, mais aussi des cartes prépayées. Bref, tu sauras tout à propos de cette solution. Donc n'hésite pas à ouvrir le descriptif et à cliquer sur le lien qui te mènera vers notre site comparatorbank.com. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, qu'elle t'aura permis d'apprendre des choses à propos de cette solution sans banque. Si jamais, n'oublie pas que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Discord aussi, où nous fédérons une communauté autour justement de cette volonté d'enrichir son éducation financière, de cette volonté de réduire ses frais bancaires et de mieux gérer son budget. Donc rejoins-nous sur Discord, mais aussi sur les autres réseaux sociaux. Et sur Discord, le petit plus, c'est qu'il y a des e-books offerts. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt, au revoir.